Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour ce premier cours, pour cette première période, pour l'année universitaire 2020-2021. Malheureusement, des circonstances un peu particulières et on avait l'habitude de vous avoir dans les services. On avait l'habitude de partager des moments plutôt sympathiques. J'espère qu'on revivra ce type de moment. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de travailler avec le responsable d'enseignement de cette année, c'est le professeur Nibouche du CHU de Parnay, chef de service à Parnay, mais également l'ensemble des chefs de service des différents terrains de stage pour vous permettre au moins d'avoir une formation de qualité. Le module de cardiologie est un module important pour l'externe. Ce n'est pas uniquement pour avoir votre examen, mais c'est très important de dominer au moins les urgences cardiologiques, le CG. En tous les cas, on est en train de tout faire pour que vous ayez un enseignement de qualité malgré les circonstances un petit peu particulières. Donc, on va vous demander surtout de vous accrocher, d'être très sérieux dans vos cours, dans l'enseignement. Alors, la majorité des cours vont être enregistrés, hein, pour ceux qui n'ont pas pu joindre la conférence d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, elle est enregistrée et elle sera transférée au professeur Nibouche pour qu'il puisse vous mettre un programme électronique. Alors, je suis chargé aujourd'hui de vous parler de deux cours en fait. Le premier cours, c'est la prévention cardiovasculaire. Et l'objectif pédagogique ou les objectifs pédagogiques est un petit peu vous introduire cette notion de prévention, définir les différents modes, les différents facteurs de risque, et puis vous donner la capacité d'appréhender les maladies cardiovasculaires, notamment les maladies artérielles cardiovasculaires. Alors, on va démarrer par les définitions. C'est quoi un facteur de risque? Un facteur de risque, c'est une caractéristique mesurable qui indique une probabilité de développer une maladie. Le risque cardiovasculaire, et bien sûr, c'est le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire dans les années de vie de notre patient. On verra quel est le type d'estimation ces derniers temps. Alors, juste avant d'avancer, habituellement sur les conférences, il n'y a pas de questions-réponses, il n'y a pas de session questions-réponses, mais j'autoriserai peut-être deux ou trois questions par cours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'onglet, au niveau de l'onglet Converser. Je sélectionnerai les deux, trois meilleures questions par cours. Alors, le cours, c'est prévention cardiovasculaire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par prévention cardiovasculaire? En fait, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est éviter l'avènement d'une maladie cardiovasculaire et donc ça nécessite une évaluation du risque cardiovasculaire global. C'est-à-dire, c'est un patient qui n'a pas eu pour l'instant un événement cardiovasculaire. Et je vais essayer, moi, en tant que médecin, même médecin généraliste, je vais tout faire pour évaluer son risque et lui éviter de développer une maladie cardiovasculaire dans ses années de vie. Alors, je vois beaucoup de personnes en... S'il vous plaît, éteignez vos caméras. C'est gênant pour l'orateur. Et je vois des personnes en salle d'attente. Alors là aussi, on vous demande d'être ponctuel. 14 heures, ce n'est pas 14 heures et 3 minutes. C'est comme à l'amphi, on ferme on ferme la salle d'amphi, c'est la même chose ici, hein. La réunion est verrouillée, mais ils pourront la voir à distance. Alors, je reviens sur les définitions. La prévention primaire, c'est éviter l'apparition d'une maladie cardiovasculaire chez votre patient. La prévention secondaire, c'est éviter une récidive, c'est-à-dire c'est un patient qui a eu une maladie cardiovasculaire, un événement cardiovasculaire, un AVC, un syndrome coronaire aigu, une artériopathie des membres inférieurs, et qui va nécessiter une prise en charge dont le but est de lui éviter une récidive d'événements qui va être beaucoup plus grave. Alors, les maladies cardiovasculaires dans le monde, il reste à l'heure actuelle la première cause de mortalité dans le monde.
Il faut savoir que dans les pays développés, ces 10 dernières années, ces 15 et 10 dernières années, elles sont devenues en deuxième position après les cancers. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail important qui a été fait dans le domaine de la prévention. Et donc, ils ont réussi à diminuer l'incidence de ces maladies. Contrairement aux pays en voie de développement, comme l'Algérie, malheureusement, ça reste la première cause de mortalité, comme d'autres pays en voie de développement d'ailleurs. On estime actuellement entre 17 et 20 millions de décès imputables dans le monde, ce qui représente 30% de la mortalité mondiale, c'est pas rien. Et si on détaille cette mortalité, ben regardez, voici les différentes causes de mortalité, cancer du sein, cancer d'estomac, cancer colorectal, ben regardez, les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur, mais aussi le cerveau, les AVC ischémiques, ben représentent une grosse part de mortalité dans le monde. S'il vous plaît, éteignez vos micros aussi, c'est très gênant pour moi de parler alors que les micros sont allumés. Donc, je disais que la plus grosse partie des nombres du décès dans le monde est imputée aux maladies cardiovasculaires. Mais il y a deux parties. Il y a les pays développés qui ont réussi à diminuer l'incidence de ces maladies chez eux et qui sont donc en nette régression. Par contre, la majorité de ces décès se situe dans les pays comme l'Algérie, les pays en voie de développement, où il y a une explosion des facteurs de risque. Une explosion des facteurs de risque. Et donc, s'il vous plaît, mutez vos micros. C'est très difficile de parler alors que vos micros sont allumés. OK. Donc, je disais que la majorité de ces maladies et ces décès sont situés dans les pays comme l'Algérie, les pays en voie de développement. Alors, que sont les maladies cardiovasculaires? Hein? Ben, c'est essentiellement, vous allez voir, hein, vous allez étudier, le cœur, il a différentes parties anatomiques. Il y a le muscle, il y a les valves, et il y a les vaisseaux qui irriguent ce muscle au niveau cardiaque, mais ces vaisseaux, les artères, vont irriguer également le cerveau, les membres inférieurs, les reins. Et donc, c'est toute la maladie artérielle de l'artère au niveau du cœur qui va entraîner des maladies vasculaires, des maladies cardiovasculaires et qui vont aboutir malheureusement au décès ou à des complications très importantes pour nos patients. Voici les artères du cœur qu'on voit en coronarographie et en fait voici une coupe d'artères, hein, l'intima, la média et l'adventice. Et en fait, ce sont des maladies qui vont toucher surtout l'intima, l'endothélium vasculaire qui va en premier être touché et puis tout. En fait, toute l'artère va être malade et je vous donnerai quelques explications. En fait, ces facteurs de risque qu'on va étudier vont agir donc sur l'artère. Voici une artère normale qu'on a vue précédemment. Voilà une artère normale. Et en fait, ces facteurs de risque vont agir sur ces artères, notamment en premier sur l'endothélium, et ils vont l'abîmer. Ils vont entraîner une dysfonction endothéliale qui va, donc cet endothélium qui était homogène, qui empêchait toute intrusion en sous-endothélial, ben, il va se disloquer et il va permettre l'introduction de cholestérol, de LDL cholestérol. Il va y avoir un recrutement de monocytes, de macrophages, et il va y avoir donc progressivement une formation d'une plaque d'athérosclérose. Une plaque d'athérosclérose qui va se former dans le tissu sous-intimal. Je suis obligé à chaque fois de m'arrêter pour fermer le micro des uns et des autres et c'est très pénible. Donc, s'il vous plaît, fermez vos micros. Donc, cette maladie athéromateuse va toucher les vaisseaux et va toucher les vaisseaux du cœur, les vaisseaux du cerveau et les vaisseaux au niveau de tous les organes, notamment des membres inférieurs et tissu rénal. La gravité au niveau du cœur et du cerveau, c'est que nous avons une vascularisation termino-terminale et donc, dès que ce vaisseau se bouche, s'occlut,
ben, on a très peu de temps, on a très peu de délais pour agir et pour traiter les patients. Et malheureusement, on va avoir des dégâts assez considérables. Ici, ce que vous voyez là, c'est un thrombus au niveau du nivers antérieur. C'est l'autopsie d'un jeune patient tabagique qui est malheureusement décédé, un décès brutal. Et en fait, c'était lié à l'occlusion. L'occlusion brutale d'une artère coronaire. Qui sont les facteurs de risque? Alors, qui sont les facteurs de risque? On les divise essentiellement en deux parties. Les facteurs de risque non modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables, ce sont des facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir, on ne peut pas les modifier. Et donc, c'est le sexe, masculin. On a plus de chances de développer une maladie cardiovasculaire quand on est un homme de plus de 50 ans. Et le sexe féminin, après plusieurs années après la ménopause. Donc d'abord, le sexe est un facteur non modifiable. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Chez les hommes, lorsqu'on est âgé de plus de 50 ans, ben, on a plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Chez les femmes, c'est plus de 60 ans. Faites attention, c'est en train de se réduire petit à petit, puisque nous voyons de plus en plus de femmes jeunes qui développent des maladies cardiovasculaires, ben, tout simplement, on va exclure bientôt Madame ou Monsieur Barat qui active tout le temps son micro. Donc c'est la dernière fois, sinon vous allez être exclu du cours. Donc, je disais que les facteurs de risque modifiables sont le sexe, l'âge, mais faites attention, nous voyons de plus en plus de femmes jeunes qui développent des maladies cardiovasculaires, tout simplement parce qu'elles cumulent les facteurs de risque, notamment de plus en plus de femmes tabagiques ici en Algérie qui entraînent un développement des maladies cardiovasculaires assez, assez rapide. Le troisième facteur de risque non modifiable, c'est l'hérédité coronaire. On ne peut pas choisir ses parents et donc on ne peut pas modifier cette donne, on ne peut pas modifier la génétique et donc on parle de hérédité cardiovasculaire lorsque un parent du premier degré, un ascendant du parent du premier degré, lorsqu'il est de sexe masculin, c'est-à-dire un papa, qui fait un événement cardiovasculaire cardiaque ou cérébral avant l'âge de 55 ans, donc un événement précoce, ou bien la maman de notre patient qui vient vous voir, qui a fait un événement cardiovasculaire précoce, AVC ou syndrome coronaire aigu avant l'âge de 65 ans. Et donc c'est noté comme un facteur de risque malheureusement sur lequel on ne peut pas agir pour l'instant. Les facteurs de risque modifiables. Les facteurs de risque modifiables sont le tabac en premier lieu. Le tabac est un important facteur de risque. Je vous donnerai tout à l'heure les séries algériennes pour vous montrer un peu l'impact du tabac sur le risque cardiovasculaire. Le tabac, qu'il soit actif ou passif, est un facteur de risque important. Le deuxième facteur de risque, c'est les dyslipidémies. Les dyslipidémies, ce sont les anomalies du cholestérol dans le corps. On estime qu'un LDL cholestérol supérieur à 1,6, même si les données sont en train de diminuer encore plus, on estime qu'à 1,6, le risque est déjà très élevé. Et un HDL cholestérol inférieur à 0,4, l'HDL cholestérol est considéré comme le bon cholestérol, mais on verra dans quelques slides, on verra l'explication sur les dyslipidémies, car c'est un élément assez important. Le diabète également, le diabète est un facteur de risque modifiable puisqu'on peut agir sur les chiffres de glycémie et sur les chiffres d'hémoglobine glyquée. On parle de diabète lorsqu'on a un diabète de 1,26 et une hémoglobine glyquée et ou une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5. La tension artérielle est un facteur de risque lorsqu'on a une tension artérielle à 140 de systolique et de 90 de diastolique. Ben, on a un facteur de risque d'hypertension artérielle. Donc, on peut être diabétique ou hypertendu méconnu, et on peut être diabétique et hypertendu connu. Le plus important lorsqu'on connaît sa maladie, ben, c'est
essayez le plus possible d'atteindre les cibles, à savoir une hémoglobine glycée inférieure à 6,5 pour le diabétique et des chiffres tensionnels inférieurs à 140-90 pour le patient hypertendu. Alors, voici globalement tous les facteurs de risque. Alors, il y a des facteurs de risque que je n'ai pas cités, tout simplement parce qu'on ne peut pas vraiment les quantifier. Par exemple, la sédentarité. C'est très difficile de quantifier la sédentarité de nos patients. Mais c'est un facteur de risque. L'obésité également est un marqueur, facteur de risque pour certains. Et on parle d'obésité, bien sûr. C'est en calculant le BMI ou l'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Dès qu'on a un IMC ou un BMI supérieur ou égal à 30, ben on est obèse et c'est un facteur de risque. L'autre facteur également très difficile à quantifier, c'est le stress. Et malheureusement, il est très difficile d'évaluer le stress de nos patients. Tout le monde se dit stressé, mais en fait, il y a un stress positif lorsque par exemple, lorsqu'on fait médecine, on passe nos examens, ben c'est un stress, mais c'est plutôt un stress positif puisqu'on veut atteindre un but, c'est d'être médecin et au final d'être spécialiste. Et puis dans son travail de tous les jours, souvent on se dit stressé, mais lorsqu'on fait une éviction, lorsqu'on enlève le travail à ces personnes-là, la majorité se sent encore plus mal qu'avec leur travail. Donc, il est très difficile d'évaluer le facteur stress. C'est plutôt le stress négatif qui est un élément important. Je m'explique, si quelqu'un d'actif se lève le matin et n'a plus envie d'aller travailler parce il a des soucis importants, ben ça, effectivement, c'est un stress négatif. Par contre, les personnes qui ont besoin de leur travail, qui sont stimulées par leur travail, mais ils se disent stressés parce qu'ils ont eu des tâches beaucoup importantes, ben c'est plutôt un stress positif. Et c'est plutôt, ça aide les gens à mieux évoluer dans la vie. Donc, c'est un élément qui est très facile, très difficile à quantifier. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, vous avez deux types de facteurs de risque. Les facteurs de risque non modifiables, et on les a cités, et les facteurs de risque modifiables, qui sont essentiellement le tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Alors, j'ai insisté sur cette donne, je viens de vous citer tous les facteurs de risque, mais en fait, ce sont des facteurs de risque qu'on ne va pas additionner. Il y a une approche risque par risque, c'est-à-dire on additionne, il est diabétique, hypertendu et il fume, donc il a 3 fois plus de chances de développer une maladie cardiovasculaire. C'est faux. C'est plutôt une approche globale qui est plus légitime. Je m'explique. Regardez ici. Lorsque vous avez du cholestérol, ben en fait, vous avez 4 fois plus de risques de faire un événement cardiovasculaire dans les 10 prochaines années. Si vous êtes tabagique, vous avez 2 fois plus de risques. Si vous êtes tabagique et vous avez du cholestérol, vous avez 6 fois plus de risques. Si je rajoute à ça l'hypertension artérielle, ben regardez, on est rapidement monté à 16 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est des facteurs qui ne s'additionnent pas, c'est un facteur plutôt exponentiel. Alors, j'insiste un petit peu sur le cholestérol car c'est un élément primordial. Un élément primordial puisque c'est le cholestérol qui va pénétrer dans nos artères. Le cholestérol, il vient d'où? Ben, il vient dans la majorité des cas, ben, il est plutôt fabriqué au niveau du foie. Un quart ou un tiers pour certains vient de l'alimentation riche en gras, hein, les fromages, l'huile, etc. Et puis, la majorité va être plutôt fabriquée par le foie, notamment chez le sujet sédentaire. Alors, le cholestérol, il est hydrophobe, il ne peut pas circuler tout seul dans la lymphe et dans le sang. Qu'on transfère ce cholestérol-là qui est important pour les cellules en périphérie, pour la construction cellulaire. Pour transporter ce cholestérol, ben, il faut une aide, il faut des structures hydrophiles qui vont favoriser le transfert de ce cholestérol. Et ces structures, ce sont de véritables soucoupes volantes, hein, ce sont les lipoprotéines. Les lipoprotéines, elles ont donc un centre hydrophobe riche en cholestérol estérifié en triglycérides, et puis une périphérie plutôt hydrophile, riche en phospholipides,
en apolipoprotéines, on verra ces apolipoprotéines. Ben, voici ces lipoprotéines-là. C'est les chylomicrons qui sont de taille importante mais de densité faible. Les VLDL de taille moins importante mais de densité un peu moins faible, où elles sont riches en triglycérides. Et puis le LDL cholestérol et le HDL cholestérol qui sont des structures qui sont un peu plus riches en cholestérol, et on va voir le rôle de tout un chacun. En fait, ces lipoprotéines vont transférer le cholestérol du foie vers la périphérie et puis de la périphérie vers le foie. La périphérie, c'est les artères, c'est les organes, hein. Donc, du foie vers la périphérie, ben, le cholestérol va être transféré surtout par les lipoprotéines qui ont une ApoB. Hein, je rappelle que l'ApoB, c'est ça, hein. Voilà, c'est des apolipoprotéines ici. Et donc, les lipoprotéines qui vont faire circuler du foie vers la périphérie, ce sont des lipoprotéines riches en ApoB, et ce sont donc surtout les VLDL, les LDL et les remnants de chylomicrons. Donc, ces LDL et VLDL vont faire circuler le cholestérol du foie vers les artères. Et puis, ce qui va ramener le cholestérol des artères vers le foie, puisque le foie, c'est le seul organe qui va permettre de cataboliser ou d'éliminer ce cholestérol, soit via des esters, via la bile, soit directement en le libérant dans l'intestin. Donc, les molécules qui vont récupérer le cholestérol de la périphérie vers le foie, ben, ce sont les lipoprotéines HDL qui ont une ApoA. Et donc, classiquement, on disait que, voilà, la lipoprotéine la plus hétérogène, puisque c'est elle qui va emmener le cholestérol du foie vers la périphérie, c'est le LDL. Et effectivement, avec sa densité, il va pouvoir rentrer dans les artères, et notamment les artères du cœur et du cerveau. En plus, ces LDL sont très riches en cholestérol, comme on le voit ici. Ça a été clairement démontré, la relation entre cholestérol et les maladies cardiovasculaires, c'est une relation linéaire. Plus on a du cholestérol dans le sang, plus on va développer des événements cardiovasculaires. Ça a été démontré depuis de longues années. Et donc, voici cette lipoprotéine LDL qui va traverser l'endothélium vasculaires, ils vont s'oxyder et ils vont commencer à former cette plaque d'athérosclérose qui va soit grossir, soit se compliquer, se rompre et entraîner des syndromes coronariens aigus. Vous allez voir durant les prochains jours, les prochaines semaines de votre cursus. Et en fait, donc on a dit que le LDL est la plus hétérogène, mais regardez, le cholestérol se trouve partout en fait, hein, notamment dans les molécules de VLDL. On estime à peu près que il représente un cinquième des triglycérides, des VLDL. Et donc, son estimation est plutôt approximative avec la formule de Friedwald connue depuis 72 et qui nous permet de calculer le LDL cholestérol par le HDL moins le HDL. Le cholestérol total, moins le HDL, puisqu'il y a du cholestérol ici, moins les triglycérides, et on estime que le cholestérol situé dans les VLDL, il est estimé à un cinquième. Donc, c'est une formule de Friedwald qui nous permet une estimation du LDL cholestérol. Alors, pour calculer réellement le cholestérol, il nous faut des machines assez compliquées et assez coûteuses qu'on ne peut pas utiliser de pratique courante, puisqu'il faut plusieurs jours pour un seul dosage, et c'est très coûteux. Donc, on ne peut pas le faire, et il faut le faire avec la formule de Friedwald. Par contre, chez les patients qui ont des triglycérides supérieurs à 2, ben, on commence à voir une dispersion, une inadéquation entre cette formule de Friedwald et le taux réel de LDL. Et donc,
Il faut interpréter le LDL cholestérol en fonction des triglycérides de vos patients. D'où, actuellement, il y a une nouvelle entité, et c'est pour ça que je vous l'ai mis pour vous, parce que probablement dans les prochaines années, ça va être la nouvelle donne. On va plutôt non plus parler de LDL cholestérol uniquement, mais parler du non-HDL cholestérol. Donc, on va en fait évaluer réellement, de manière très simple, le cholestérol total. On enlève le bon cholestérol, à savoir le HDL, et on a le taux de cholestérol qui est plutôt mauvais. C'est ce qui est actuellement recommandé. Et donc, ce mauvais cholestérol se trouve non seulement dans les LDL, mais également dans les IDL, dans les VLDL et dans les remnants de chylomicrons. Et c'est ce qu'on doit évaluer en prévention lorsqu'on évalue le risque cardiovasculaire de notre patient. Donc retenez que ce n'est plus uniquement le LDL cholestérol qui est un facteur de risque, mais plutôt le non-HDL, cette nouvelle notion de non-HDL cholestérol que vous devez intégrer dès à présent, puisque je pense que dans les prochaines années, ça va être la nouvelle donnée. Là, c'est des publications qui ont clairement démontré que c'est le taux de non-HDL cholestérol qui aggrave le développement d'athérosclérose et ce n'est pas uniquement le LDL. Souvent, certains patients, certains médecins sont trompés par un taux de LDL borderline. Et si on calcule le non-HDL chez notre patient, on va trouver qu'il est élevé et c'est ce non-HDL qui est athérogène, qui va développer les maladies cardiovasculaires à nos patients. Et donc maintenant, voilà ce qui est recommandé, c'est au moins de mesurer le LDL cholestérol, mais aussi le non-HDL cholestérol, au moins une fois dans la vie chez les patients qui sont âgés de plus de 20 ans et non pas de plus de 40 ans. Ces dernières années, on évalue le risque cardiovasculaire surtout chez les personnes de plus de 40 ans. On s'est dit que l'athérosclérose, elle touche le sujet de plus de 40 ans. En fait, on s'est rendu compte, un, que l'athérosclérose était déjà présente chez un certain groupe de patients dès l'étape fœtale. Chez les femmes enceintes qui cumulent des facteurs de risque, leur fœtus développe déjà de la maladie athérosclérose. Le deuxième élément très important est le fait qu'on soit exposé à ce taux de non-HDL cholestérol, à ce cholestérol élevé, précocement dans la vie, ben on va développer plutôt des maladies cardiovasculaires. Regardez ici, des patients qui ont des anomalies de cholestérol plus tôt dans la vie, ben ils vont développer une maladie cardiovasculaire à des âges plus jeunes. Plus on a des facteurs de risque, plus on a des anomalies en étant jeune, plus on va avoir des événements cardiovasculaires en étant jeune. Donc, vous pouvez dès maintenant pour vous estimer votre risque cardiovasculaire et pour cela, il y a des tables. Alors, la table score, elle est surtout utilisée chez les patients de plus de 40 ans. Il y a une nouvelle table qu'on va mettre à votre disposition, c'est la table non-HDL qui va vous permettre de calculer en fonction si vous êtes une femme ou un homme, fumé ou pas fumé, vos chiffres tensionnels et surtout votre non-HDL cholestérol, ben, elle va vous prédire le risque de développer un événement cardiovasculaire jusqu'à l'âge de 75 ans. Ces tables-là sont disponibles déjà sur Internet et vous pouvez les voir sur le net en tapant non-HDL risque et vous pouvez calculer votre risque ou le risque de vos parents. Qui sont les patients à haut risque? Ben, les patients à haut risque, je l'ai dit au début du cours, ce sont tous les patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire, ce sont des patients à très haut risque. Maladie coronaire évoluée, angor, syndrome coronaire aigu, AVC ou artériopathie des membres inférieurs. Les patients qui ont un diabète, là aussi, c'est souvent des patients à haut risque, surtout si le diabète est déséquilibré. Les patients qui ont une insuffisance rénale modérée, ben, vont être des patients à haut risque. Les diabétiques de plus de 10 ans ou bien les diabétiques qui sont associés à au moins un ou deux facteurs de risque,
vont avoir un risque beaucoup plus important. Ils sont à très haut risque cardiovasculaire. Et puis, on peut calculer avec les scores que je vous ai dit, l'Euroscore et surtout le non-HDL score maintenant, où on peut calculer le risque de nos patients. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, en Algérie, là, c'est le registre STAMI, ST Elevation Algeria AMI, où on a recherché un peu une photographie de ce qui se passe. Et on a vu, on a pris tous les patients sur un mois qui ont fait un syndrome coronaire aigu ST+, qu'est-ce qu'ils avaient comme facteur de risque? Ben, regardez, un patient sur deux était tabagique. 40% des patients avaient de l'hypertension artérielle et 35% des patients étaient diabétiques et pour la plupart ne se savaient pas diabétiques ou hypertendus. Alors, est-ce qu'on peut éviter un événement cardiovasculaire? Je vous ai demandé de calculer votre score, votre risque cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire de vos parents. Mais si je trouve que ce risque est élevé, est-ce que je peux éviter? Oui, on peut l'éviter. 80% des syndromes coronaires aigus, des AVC, sont évitables grâce aux actions que nous allons faire. Si vous avez du cholestérol, il faut l'abaisser et nous avons les moyens de le faire, les règles génodiététiques, mais aussi les thérapeutiques. Le tabac, ennemi public numéro un, il faut savoir qu'en Europe, début des années 2000, en Europe et aux États-Unis, dès qu'il y a eu une interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les postes, dans les aéroports. Quelques années après, il y a eu une réduction de 40% des taux d'événements cardiovasculaires. Donc le tabac chez nous, un fléau qui touche l'homme et la femme. On voit tout le monde qui fume, parfois même dans les amphis. Là aussi, il faut faire très attention à ça. C'est un élément à réduire. La lutte contre l'hypertension artérielle, contre le diabète, pratiquer du sport, bien dormir. Ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre d'éliminer 80% des événements cardiovasculaires. Même chez les patients à haut risque. Les patients à haut risque, je vous ai démontré tout à l'heure que ce sont les patients qui ont développé un événement. Voici un groupe de patients. Ce sont les mêmes patients ici qui ont développé un événement cardiovasculaire, qui ont eu un syndrome coronaire aigu. Il y a un groupe de patients qui va avoir un risque équivalent à des patients non malades. Il y a d'autres groupes qui vont avoir un risque très élevé et qui vont refaire un événement dans l'année dans 40 à 50% Ah, merci. dans 40 à 50% des cas. Et ces patients-là, ce sont les patients sur lesquels on n'a pas agi sur leurs facteurs de risque. En tous les cas, ils n'ont pas été compliants avec leur traitement et avec la lutte contre les facteurs de risque. Donc, vous voyez que même chez les patients à très haut risque, on peut éviter une récidive dans la grande majorité des cas si je traite bien mon patient, si je traite bien son diabète, son cholestérol, si je lui fais arrêter le tabac, si je lui fais faire du sport et surtout si j'arrive à obtenir un BMI inférieur à 30 chez lui. Donc voici la première partie qui s'est terminée. Je vais, avant d'entamer le cours, le deuxième cours, je vais essayer de voir sur l'onglet Converser, est-ce que vous avez des questions ou pas? Bonjour à tous, bonjour. OK. Donc, vous avez entendu le cours, c'est très bien. OK. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va passer au deuxième cours et je vais vous demander de préparer vos questions au fur et à mesure. Alors, le deuxième cours, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Alors, ça n'a rien à voir avec le premier cours. Il faut savoir que le rhumatisme articulaire aigu est une maladie qui était très développée en Algérie, surtout dans les années 60-70, et qui était liée surtout aux conditions socio-économiques, et on va le voir. En fait, le rhumatisme articulaire aigu en cardiologie ne nous intéresse pas beaucoup, puisque c'est une maladie qui va toucher surtout l'enfant.
Par contre, nous, ce qu'on va récolter à l'âge adulte, on va récolter les complications cardiologiques du rhumatisme articulaire aigu. Et ces complications touchent surtout les valves. Et donc, la maladie des valves, durant les années 80, 70, 80, début 90, était la maladie la plus fréquente dans les services de cardiologie. Au cours des années 90, il y a eu un changement du profil épidémiologique, puisque nos aînés pédiatres ont établi des programmes de lutte avec un traitement antibiotique élargi à presque tous les enfants à partir de l'âge de 5 ans, ce qui a réduit la maladie, le rhumatisme articulaire aigu, et donc on voit de moins en moins de maladies valvulaires liées au RA. Et elles existent toujours, mais elles sont de moins en moins fréquentes. Et donc, on voit de moins en moins ce type de maladie. À l'inverse, le changement de style de vie, la sédentarité, le tabac, le développement d'hypertension artérielle, de diabète dans notre population, a aggravé les maladies cardiovasculaires, coronaires, AVC et artériopathie du membre inférieur. Et ce sont essentiellement ces maladies que vous allez voir dans les services de cardiologie. Donc, le rhumatisme articulaire aigu est une cardiopathie rhumatismale chronique. C'est la cardiopathie, entre guillemets, la plus fréquente chez l'enfant et chez le sujet jeune. Il reste un problème de santé publique majeur dans le monde, une publication du Lancet qui a démontré que ça touche actuellement 16 millions, près de 16 millions de personnes dans le monde. Mais lorsqu'on voit la cartographie, ben regardez, ça c'est le nombre de cas par 1000 enfants. L'Algérie en bleu ciel, ben on a entre 1 et 8 cas. Aux États-Unis, en Europe, c'est 0 à 3 cas. Et puis c'est surtout, ça touche surtout maintenant l'Asie du Sud-Est, ou la Chine également, l'Inde. Des endroits de précarité où le rhumatisme articulaire aigu reste très élevé. Donc chez nous, la prévalence est en nette diminution et c'est devenu une maladie rare. Alors l'historique, la première description remonterait en tous les cas au XVIIe siècle, lorsque Guillaume Bayou en France et Thomas Sydenham ont décrit les premiers signes. Sydenham a décrit notamment la chorée qu'on va voir tout à l'heure. Mais en fait, c'est Jean-Baptiste Bouillot qui va écrire, et il va écrire un traité du rhumatisme articulaire aigu. Il va détailler cette maladie. D'ailleurs, on l'appelle, pour certains, on l'appelle encore la maladie de Bouillot. Hein? Il a publié ce traité, et c'est pour ça qu'il faut toujours écrire, en 1840. Et vous allez voir, lorsque vous allez être, inch'Allah, des médecins, même généralistes, vous allez participer à des congrès, n'hésitez pas à publier vos cas à travers de posters, etc. Ce n'est que les publications qui vont rester. Les constatations cliniques que vous faites, malheureusement, ne vont pas rester. Donc, il faut écrire. Et c'est ce qu'il a fait, Jean-Baptiste Bouillot. Il a écrit le traité du rhumatisme articulaire aigu en 1840. Alors, si on définit le rhumatisme articulaire aigu, c'est une maladie auto-immune de connaissance ancienne, hein, qui est la conséquence retardée d'une infection pharyngée par un streptocoque de bêta-hémolytique du groupe A, une infection non ou insuffisamment traitée. Donc, c'est une réaction immunologique du cœur à la suite d'une infection, une angine par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Alors, ce streptocoque de bêta-hémolytique du groupe A, il se trouve dans l'environnement. Et la gorge particulièrement est le site le plus commun. Si on est plus d'une centaine actuellement, si je m'amuse à faire des prélèvements de gorge, ben on va trouver ce streptocoque bêta-hémolytique du groupe A qui est présent chez au moins 20-30% d'entre nous aura ce streptocoque du bêta-hémolytique du groupe A. Alors ça, vous connaissez mieux que moi puisque c'est assez frais dans vos têtes, le module de bactérium. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est un coxygramme positif groupé en diplocoque ou en chaînette. La couche du streptocoque, parce que c'est elle qui va entraîner la libération
qui va stimuler le système immunitaire et est constitué de plusieurs couches avec des caractéristiques antigéniques assez spécifiques et qui vont ressembler malheureusement à certains épitopes de certains organes du corps humain. Alors, je passe sur ça. Le rhumatisme articulaire aigu, en fait, va se développer 2 à 3 semaines après l'infection du streptocoque hémolytique du groupe A. C'est une réaction immunitaire retardée à ce streptocoque. Les lésions vont impliquer surtout les organes qui ont les mêmes épitopes, puisque les immunoglobulines fabriquées par le corps vont attaquer ce streptocoque si le corps humain est encore en relation, ou en tous les cas, est encore exposé à ce germe. Mais malheureusement, ces anticorps vont attaquer les épitopes qui ressemblent au streptocoque hémolytique du groupe A de certains organes, notamment le cœur, la peau, le système nerveux central et les articulations. Donc, c'est une réponse auto-immune avec une antigénicité croisée. Le mot-clé ici, c'est antigénicité croisée entre les épitopes présents au niveau de la bactérie, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, et des épitopes présents dans le tissu humain cible. La gravité de l'affection est liée donc à l'atteinte de ces organes, notamment le cœur, puisque la majorité des signes cliniques vont disparaître au bout de quelques semaines, mais c'est surtout les lésions cardiaques qui vont, elles, évoluer pour leur propre compte. Si on vient à la clinique, l'âge du premier épisode se situe en général entre, allez, 5 et 17 ans, avec une moyenne vers 9 ans. Le début est parfois progressif, insidieux, invisible, et survient en général 2 à 3 semaines après une pharyngite. C'est un syndrome clinique. C'est un syndrome clinique où on va détailler les différents signes cliniques. Les premiers signes, ce sont les signes généraux. La fièvre qui va réapparaître après l'épisode d'angine, c'est une fièvre qui est quasi constante, mais qui n'a pas de périodicité, qui est plutôt anarchique. Parfois à l'acmé des poussées articulaires. Mais c'est une fièvre qui est quasi constante, entre 30 et 40 degrés Celsius. Elle est importante pendant environ une semaine à 10 jours pour disparaître progressivement au bout de 2 à 3 semaines totalement. Après les signes généraux, ça va être les signes articulaires. On a dit que les anticorps contre le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A vont toucher surtout le cœur, les articulations, la peau et le cerveau. Et donc les articulations vont être touchées, vont être pratiquement les premières touchées. Elles sont présentes, l'atteinte articulaire est présente dans les 2 tiers des cas. Elles touchent essentiellement des artères, les grosses articulations. C'est une polyarthrite aiguë, migratrice et fugace. Elle atteint donc les grosses articulations. Elle commence plutôt par le bas, l'articulation de la cheville, du genou. C'est elle les premières touchées. Et elle est migratrice. Elle va toucher la cheville droite, puis la cheville gauche, le genou droit, le genou gauche, etc. L'inflammation d'une articulation va avoir une durée le plus souvent 2 à 3 jours, mais parfois elle peut atteindre jusqu'à 8 à 10 jours. Donc, et souvent, lorsqu'une articulation commence à guérir, une autre articulation va être touchée. Le deuxième organe touché, c'est le cœur. Et le cœur est une atteinte là aussi fréquente. Et en fait, le cœur va être touché sur les trois tuniques, le péricarde, le myocarde et l'endocarde, à des degrés bien sûr divers. L'atteinte cardiaque survient typiquement entre le 6e et le 15e jour. Elle est concomitante souvent avec l'atteinte articulaire. La carditite s'installe à bas bruit. Il est très difficile. C'est souvent pas le premier signe annonciateur. C'est-à-dire les enfants ne vont pas venir se plaindre du cœur, mais il faudra la rechercher, le rechercher par l'auscultation, par le CG, par d'autres examens que nous allons voir lorsque nous allons atteindre la partie paraclinique. Et évidemment, il faut
analyser les valves par l'échocardiographie. L'atteinte cutanée, c'est l'érythème marginé de Besnier ou érythème alunaire de Landeroff, selon les appellations. Il est rare, il touche 5% des cas, mais très évocateur. Regardez ici, il y a un centre hein, pâle avec une extrémité souvent arrondie. Ça donne l'impression que c'est de l'eczéma, mais ce n'est pas du tout prurigineux. C'est indolore, non douloureux, et c'est des plaques comme ça, arrondies avec un centre pâle qui vont apparaître. Il est très, très évocateur, cet érythème marginé de Besnier. L'atteinte neurologique, c'est l'atteinte de Sydenham. Elle est plutôt rare, tardive, très tardive, et elle touche plus souvent les filles que les garçons. Sa fréquence ne dépasse pas 5% des cas, donc elle est plutôt rarissime. Elle est exceptionnelle chez l'adulte, uniquement chez la femme enceinte, où parfois elle peut survenir, mais chez l'adulte, elle est exceptionnelle. La chorée donc survient tardivement, entre 2 et 6 mois après l'infection streptococcique, alors que les signes inflammatoires et biologiques articulaires peuvent avoir complètement disparu. Donc c'est un faisceau d'arguments. C'est quoi cette atteinte neurologique? Ce sont des mouvements désordonnés, explosifs, sans rythmicité, involontaires, non contrôlables. Ces mouvements disparaissent pendant le sommeil, sont augmentés par l'effort, la fatigue et l'émotion. Ils prédominent aux mains et à la face et sont fréquemment asymétriques. Ils s'accompagnent d'une faiblesse musculaire, mais l'examen neurologique est strictement normal. Donc, c'est des mouvements désordonnés qui surviennent surtout lorsque le patient est conscient. Lorsque le patient est endormi, il n'y a aucun signe de chorée. Classiquement, elle guérit spontanément au bout de 2 ou 3 mois sans aucune séquelle pour ces patients. Et donc, la gravité se situe surtout sur le cœur, puisque ce sont uniquement les lésions cardiaques, les lésions notamment valvulaires, qui vont évoluer pour leur propre compte et qui vont développer des valvulopathies. Les examens complémentaires, on a dit que si on a des signes généraux, donc il faut faire systématiquement un bilan biologique, incluant tout le bilan habituel, non seulement la recherche d'un syndrome inflammatoire avec fibrinogène, CRP, VS, mais également tout le bilan rénal. Ionogramme sanguin, formule, tout ça doit être fait. Un élément important dans le bilan sanguin, n'oubliez pas, devant toute fièvre inexpliquée chez un enfant, il faut rechercher une bactériémie ou une septicémie. Donc, n'oubliez pas de faire des hémocultures. Et dans ce cas, les hémocultures sont négatives puisqu'il n'y a pas de germe dans le sang. C'est une réaction immunologique. Les autres examens complémentaires, on va concerner atteinte organe par organe. En cas d'arthrite, si l'enfant consulte pour une arthrite, on doit là aussi éliminer une arthrite septique qui est un diagnostic fâcheux. Si on passe à côté, il y a un pronostic vital qui peut être atteint. Donc, il faut ponctionner ces articulations. Le liquide articulaire est un liquide inflammatoire et stérile. Il n'y a aucune bactérie à l'intérieur de l'articulation. Les radiographies, là aussi, ne montre aucune atteinte distinctrice de l'articulation ou de l'os, donc il n'y a aucune atteinte osseuse. C'est une arthrite aseptique de l'enfant, mais il faut faire le nécessaire et rechercher éventuellement un germe. Pour le cœur, nous allons explorer les trois tuniques, le myocarde, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Le myocarde, il y a la classique myocardite, qui se manifestent cliniquement par des douleurs thoraciques qui peuvent parfois être inaperçues. Et sur l'électrocardiogramme, on peut voir un allongement du PR avec un BAV du premier degré ou un BAV de Luciani-Vinckebach. La radiographie du thorax doit être faite pour apprécier la silhouette cardiaque. Il est exceptionnel qu'on retrouve chez l'enfant une cardiomégalie, mais chez l'adulte, c'est systématique de la faire, notamment en cas d'atteinte valvulaire. Et puis, l'examen clé est recherché et l'échocardiographie pour rechercher les atteintes valvulaires.
qui vont, lors des premières poussées, ne pas être évidentes, mais qui vont, à la longue, paraître sur l'échocardiographie. Donc, ne pas hésiter à ces patients de refaire des échocardiographies de manière périodique. L'échocardiographie va nous permettre également d'évaluer, de rechercher, d'évaluer le péricarde et de rechercher des péricardites. Hein, c'est l'épanchement liquidien qui va entourer le cœur. Le péricarde est un feuillet qui entoure le cœur. En fait, il a un feuillet externe et interne. Il y aura du liquide qui va se constituer en cas d'inflammation. Et donc, on va rechercher l'atteinte du péricarde. Toujours dans l'examen complémentaire, on va essayer de retrouver ce fameux staphylocoque. Ce fameux staphylocoque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le prélèvement de gorge n'est pas très spécifique puisque il peut être présent chez des patients qui ne sont pas malades, le streptocoque bêta-monotype du groupe 1. Donc, ce qui va être spécifique, c'est surtout une élévation des immunoglobulines et qui va montrer que le patient a été en contact avec un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, et ce streptocoque bêta-hémolytique du groupe A a entraîné la fabrication d'anticorps. Alors, ces anticorps sont appelés les ASLO et sont constatés quasi dans la majorité des cas. Alors, comme c'est une réaction plutôt progressive, parfois ces ASLO sont faits un peu rapidement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir deux prélèvements, un premier prélèvement et un deuxième prélèvement, et c'est la cinétique des ASLO qui va nous démontrer que le patient ou l'enfant a été en contact effectivement avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe 1. C'est un test qui est facilement accessible. La norme, on parle d'une anomalie lorsqu'on dépasse les 200 unités. Et c'est surtout donc la cinétique qui compte dans la cinétique des ASLO. Une augmentation, donc deux fois supérieure, si on a des ASLO à 400 d'emblée, ben on est sûr que ce patient a eu un contact avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Par contre, inférieur à ces taux-là, c'est surtout la cinétique, comme je disais, qui va démontrer, qui va être un signe indirect de développement, en tout cas de contact du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A avec le patient. Voici le résumé de tous les examens complémentaires que vous devez faire, des examens biologiques, n'oubliez pas les hémocultures, l'examen biologique basique, notamment les tests, la recherche de l'inflammation, le dosage des ASLO, les sérologies, et puis la ponction articulaire, hémoculture, je l'ai dit, radiographie du thorax, ECG et échocardiographie. Alors, pour poser le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu, je vous ai dit que c'était un faisceau d'arguments. Et les critères de Jones ont été développés en 1944, qui ont été revisités par l'OMS. Voici les critères de Jones. Donc, pour poser le diagnostic, il nous faut des critères mineurs, des critères majeurs et puis une preuve d'infection. Je parle de rhumatisme articulaire aigu lorsque la preuve d'infection existe et lorsque j'ai deux critères majeurs, ou bien lorsque la preuve d'infection existe et puis j'ai deux critères, un critère majeur plus deux critères mineurs. Qui sont ces critères majeurs? Les critères majeurs, c'est la cardite. On a la preuve que le patient a fait une atteinte, une cardite, soit une péricardite, une myocardite, une atteinte valvulaire. Péricardite, c'est l'épanchement à l'écho. Myocardite, c'est l'ECG, notamment des modifications du PR, et parfois c'est l'IRM cardiaque carrément, très difficile à réaliser chez l'enfant. La polyarthrite, et non pas l'arthralgie, fugace, migratrice. La chorée de Sydenham est un critère majeur. L'érythème marginé, les signes cutanés sont également des signes majeurs. Les signes mineurs sont la fièvre, arthralgie, non pas arthrite, antécédent de RAA, le patient a eu déjà un antécédent de RAA, syndrome inflammatoire biologique,
Et puis, un allongement du PR à l'ECG, c'est-à-dire un signe indirect de myocardite. Le signe direct de myocardite, c'est l'IRM. C'est le seul examen qui nous dit qu'il y a une myocardite au niveau du cœur, parfois très difficile à réaliser chez l'enfant. La preuve de l'infection streptocoque, c'est bien sûr, c'est les aslo. Alors, le prélèvement de gorge, il faut faire attention avec la culture. Parfois, il est très présent et donc c'est très difficile, mais surtout une scarlatine qui est également présente. Donc, voici comment on va poser le diagnostic de RAA chez l'enfant. Alors, je rappelle que nous, en cardiologie, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'adulte, et ce sont les valvulopathies qui vont venir, qui vont être secondaires, qui vont évoluer pour leur propre compte après une infection de RAA. Toutes les valvulopathies, vous allez les étudier une à une lors des prochains cours. Alors, le traitement, c'est le repos au lit pendant au moins 3 semaines, repos strict. Les antibiotiques contre le streptocoque bêta-hémolytique pendant au moins 10 jours. Parfois, lorsqu'on a un syndrome inflammatoire assez élevé, des arthralgies au premier plan, une corticothérapie est instaurée chez les enfants et permet rapidement l'amendement du signe clinique. C'est logique, hein, on va essayer d'abaisser le système immunitaire, d'étouffer ce système immunitaire grâce aux corticoïdes. Et puis parfois, en cas de rebond, on peut utiliser même de l'aspirine à de fortes doses à titre anti-inflammatoire. Le traitement préventif, je pense que certains d'entre vous ont eu de l'extensiline dans leur enfance, ben, ça repose essentiellement sur une antibiothérapie de l'extensiline tous les 21 jours. Alors la durée diffère selon l'atteinte de la cardiopathie, selon l'atteinte de cardite. Si on n'a pas une atteinte cardiaque, c'est uniquement 5 ans jusqu'à l'âge de 15-18 ans. Hein. Par contre, si on a une cardite, ben là, ça diffère. Si la cardite n'est pas sévère, on peut aller jusqu'à 25 ans. Par contre, si la cardite est sévère, ce traitement prophylactique peut être à vie chez certains patients. Voilà, j'ai fini le cours de rhumatisme articulaire aigu. J'espère que ça n'a pas été fastidieux pour vous. Vos questions, je vais les voir ici, mais n'hésitez pas à nous les envoyer à Monsieur Nibouche et à moi. On répondra volontiers à vos questions. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi des TD et des TP dans vos stages respectifs qui sont en train là aussi d'être organisés. On essaie de trouver le meilleur moyen pour vous, en même temps de moins vous exposer possible. Puisque malheureusement nous sommes encore en crise sanitaire et il faut également vous protéger. Donc nous sommes en train d'essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir vous donner un enseignement de qualité avec le minimum de risque pour vous. Alors je vais voir un petit peu si vous avez des questions ou pas. Alors. C'est quoi l'antigénicité croisée? Alors, l'antigénicité croisée, c'est tout simplement le corps humain va développer des anticorps. Va développer des anticorps contre un germe. Ce germe-là, il a une coque et donc des épitopes. Malheureusement, ces anticorps ne vont pas attaquer uniquement le germe, ils vont attaquer d'autres organes qui ont les mêmes épitopes, qui ressemblent à ces épitopes. Donc, c'est une antigénicité croisée. Une articulation qui a été déjà touchée peut être touchée de nouveau, oui, clairement oui, notamment dans les récidives. Et ce sont surtout les récidives qui vont aggraver le tableau clinique des patients. Effectivement, ce n'est pas le germe, ce sont les anticorps qui vont toucher les organes et qui vont toucher les valves. Pourquoi la cardiomégalie est une manifestation clinique fixe de la maladie pour l'adulte et pas forcément pour l'enfant? Alors,
Chez l'enfant, je vous ai dit que la tête cardiaque est souvent au deuxième plan, sauf lorsqu'on a une péricardite avec un épanchement abondant, ce qui est plutôt rarissime. La cardiomégalie va être développée lorsque le patient va avoir des valvulopathies significatives, lorsqu'il a un rétrécissement mitral serré ou une insuffisance mitrale importante, un rétrécissement ou une insuffisance aortique importante. Et donc, ce n'est que là que le cœur va se modifier et il va augmenter de volume. Lorsqu'il va augmenter de volume, on va le voir à la radiographie. Donc, chez l'enfant, il est très rare d'avoir une cardiomégalie chez les patients qui ont un rhumatisme articulaire. Pourquoi on fait les sérologies? Ben, on cherche les anticorps. Ça, vos collègues ont parfaitement répondu. Est-elle curable et est-il considéré comme chronique? Oui, c'est curable si l'enfant a un seul épisode et si on a une bonne prévention par la suite. Ben, souvent, ces enfants ne vont pas faire de maladie cardiaque et ne vont pas faire de valvulopathie. Ceux qui vont faire des valvulopathies sont ceux, malheureusement, chez qui le diagnostic est passé inaperçu et chez qui ils vont faire plusieurs expositions au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et ils vont donc développer à chaque fois des anticorps qui vont attaquer le cœur et donc à chaque fois, ils vont aggraver la situation clinique en sachant que les valves, à un certain temps, vont évoluer pour leur propre compte, ils vont se fibroser. Hein, la valve est une structure souple qui, lorsqu'elle est attaquée, va s'altérer. Et comme c'est une structure qui est malheureusement soumise à une hémodynamique, il y a du sang qui va circuler, elle se ferme, il y a des pressions, un système de pression. Le fait qu'elle s'abîme, bah, avec le temps, va s'abîmer un peu plus. C'est comme une soupape à l'intérieur d'un moteur. Si elle est abîmée au départ, bah, si on continue à marcher avec, ben elle va s'abîmer encore plus. La répartition dans les terrains de stage, c'est quand? Ben ça a été fait. Nous, à Bnimsus, on a 43 externes. Veuillez rentrer en contact avec votre déléguée. Elle vous expliquera. Je crois qu'elle a toutes les informations. Alors après, chaque terrain de stage va avoir un fonctionnement particulier, généralement homogène, puisqu'on se dirige là aussi vers des TD et TP, probablement via Zoom. Et puis, on vous fera venir peut-être 2 à 3 fois par semaine à des groupes divisés pour assister, pour examiner des patients, pour vous montrer l'examen clinique. Et pour essayer, en tous les cas, nous sommes en train de tout faire pour que vous ayez la meilleure information possible, le meilleur enseignement possible. Alors, je vous dis bon courage à tous, accrochez-vous. Ce n'est pas une raison, cette situation de pandémie, ce n'est pas une raison pour lâcher prise, au contraire. N'oubliez pas que vous ne travaillez pas uniquement pour vos examens et pour réussir à vos examens. Vous travaillez surtout pour être de bons médecins. Hein? Donc, vos stages, vous devez essayer de maîtriser le plus possible. Je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage. À très bientôt.